Solange Razouil. Discours de fin d'année, demain à 20h. Demain, vendredi 31 décembre, en soirée, comme à l'accoutumée, le président de la République, Solange Razouil, va s'adresser au peuple malgache pour les traditionnels vœux de fin d'année et de nouvel an. Ce sera pour le chef d'État une occasion de dresser un bilan sommaire des réalisations du gouvernement de l'année écoulée et de formuler les perspectives de l'année nouvelle. Ce discours sera diffusé en direct sur la chaîne nationale et les stations privées à partir de 20h. Fête de fin d'année. Les conseils des sapeurs-pompiers. Réveillons. Le corps des sapeurs-pompiers a pris les dispositifs nécessaires pour que les matériels autant que le personnel soient capables d'intervenir en tout loin, en tout lieu, en Tananarive. Et nous avons pris des dispositions particulières afin qu'il n'y ait pas de rupture ni de matériel indisponible pour cette journée de célébration. Et nous profitons aussi de l'occasion pour sensibiliser tout un chacun afin que les mesures de prévention soient prises pour éviter que des accidents survenant par de sources électriques ou par les enfants qui ne sont pas surveillés, ainsi que les incidents qui peuvent survenir parce que des personnes âgées ou affectées d'une certaine incapacité soient laissées seules à domicile pendant que nous célébrons le réveillon. C'est l'objectif pour nous tous, c'est que les fêtes soient célébrées dans la liesse sans que quelqu'un soit affecté d'un accident. Donc pour ceux qui vont conduire, nous vous prions d'éviter les boissons alcooliques parce que les accidents avec les motos et les véhicules dans la ville ont récemment fait la une des journaux. Et ce n'est pas à la fin ou au début de l'année que nous allons avoir le maximum d'accidents. Merci. Trafic d'espèces protégées. 868 tortues saisies, 2 individus interpellés. La gendarmerie a arrêté tôt ce matin 2 individus en possession de 868 tortues à Soamanch, commune de Tchanvau, en région.